Et bonjour à tous, c'est John Jordan et on se retrouve aujourd'hui sur Dokkan Battle. Aujourd'hui, je vais vous proposer un gameplay du Super Battle Road Extreme Intelligence. Je vous montre la team que j'ai utilisée. En fait, à la base, on était en live et puis bon, je me suis dit, comme Golden Ange est arrivé et que j'ai eu la chance de le dropper sur le fil, je vais essayer le Battle Road Extreme Intelligence. Mais honnêtement, quand j'ai lancé la game, bah, j'y croyais pas spécialement. Hein. J'ai lancé avec cette team, qui est plutôt pas mal, mais le Golden Ange n'avait même pas de doublon. Je me suis dit, bon, on va faire notre mieux. Donc j'avoue qu'on n'y croyait pas trop. Et au final, on a réussi. Mais alors attention, bah, comme vous avez l'habitude en Battle Road, hein, la chance a été de notre côté, pas tout le temps. Mais sur la fin, elle a été présente. Et je vous le dis de suite, et retenez ça, l'homme du match, il y a deux hommes du match, il y a deux. Le premier, honnêtement, le premier, Thalès. Thalès, intelligence, qui a stun comme jamais. Il a stun comme jamais, et il a stun surtout au bon moment. Vous verrez ça pendant la game. Et deuxième homme du match, Kid Buu. Buu, intelligence, les dégâts, bon, il est à 100% les gars, mais bon, oui. Bah, les dégâts, la tankiness, n'importe quoi, les dégâts, le soin. Voilà, les deux hommes du match, ils sont là. Après, donc, ce qui est bien, c'est qu'en prenant Golden Ange en ami leader, c'est que du coup, bah, Kid Buu, il tabasse, parce qu'il fait partie de la catégorie renaissance du guerrier. Les deux Golden Freezer aussi, ils faisaient quand même les dégâts, même si c'était pas oufissime, vu qu'ils ont pas de doublon. Et puis après, c'est tout, parce que Metal Kula, c'est un support. Comme je dis à la fin, tout le monde a eu son utilité. Buu, dégâts de ouf, régène. Golden, il tankait pas si mal que ça, même sans doublon. Debuff, n'oublions pas, son debuff de 15%. Metal Kula, bah, on part en spé grâce à lui, enfin notamment. Buan, le soin, les dégâts aussi par moment. Janemba, il tankait pas si mal et comme je l'ai mis full esquive, bah il a esquivé par moment quand même. Hein. Et puis Thalès, les gars, le stun, hein, il a l'aspect support aussi. Hein. Donc je vous laisse avec le gameplay. Franchement, j'y croyais pas, hein, honnêtement. Et puis vous allez voir que ça s'est joué à rien du tout, les gars. Hein. Ça s'est joué à rien du tout. Donc du coup, Bojack, bah, j'aurais pas besoin de lui, hein, même en ami leader, hein, voilà, ce sera pas la peine, bon, j'invoquerai certainement sur le portail, mais bon alors, je m'écarte un peu du sujet. Donc sur ce, je vous laisse avec le gameplay, n'oubliez pas le pouce bleu, abonnez-vous, et puis à très bientôt, passez une bonne journée. Salut! Salut Carlin, salut Crisis. Bon, on tente une game, on verra ce que ça donne, hein, c'est pour tester. 280 000 PV. Mmh. Bah, leader catégorie free to play, bah y en a. T'as Gohan, le Gohan ZTUR. Tu as Raditz. Merci Carla pour le like. Rotation, pas dégueu, mais. Ah, les deux Golden à côté. Pff. Bah, de toute façon, on va Ghost. Hein. Ah, les deux Golden à côté, c'est pas cool. Hein. Ouais, c'est pas cool du tout. Focus qui en premier. Bon, on voit STFR, il est dispo le lendemain, je sais pas, le lendemain matin, je pense. Ito, ouais, je sais. Ah, ok, Alex, ouais, pourquoi pas. Mais bon, je pense pas qu'ils feront ça, mais bon. Spedigiren, peut-être Kinizu, au pire VBLR, ça attendra un peu. T'as décidé de catégorie Rasen pour troll. Non, je pense pas. Ah, disciple de Goku, pas mal. Bon, alors, est-ce que Golden tank c'est, en fait, c'est ça que je me pose. C'est ça, la question que je me pose. Bah, non, en fait, 50 000, il tank pas. GG Ryan. En fait, il va se faire ouvrir en deux. Ouais, il faut vraiment Bojack, quoi, hein, clairement. Il faut Bojack, les gars. Il faut Bojack, hein. Ça marche, Majin. Hein? Bah, si, il a pris 8000. Ah, il débuff aussi. Ah, oui, double débuff. Double. Ah, ouais, bon, par contre. Ah, oui, double débuff. Ouais, mais ouais, parce qu'il y a les deux, hein, attention. Hein, ça va pas être comme ça à chaque fois. Mais j'avais oublié le débuff de Golden, hein, quand même. Hein, je l'avais un peu zappé. Alors, je sais pas si Thalès a stun Bidel. Oui. Catégorie dopée, pas mal.
pas mal la petite catégorie d'OP, bah évidemment, une autre SP, hein. On n'est plus à ça près, hein. On est mort, non. Voilà, 62 000 PV. Ah ouais, d'accord, c'est comme ça. Ah, il est pas mort, ah bah évidemment. Bah oui, bah tant qu'à faire. Ouais, c'est bien. Ouais, c'est ça, Geosan. Ouais, oui, non, mais quand il y aura Bojack, ce sera plus simple. Quand il y aura Bojack. Si j'utilise déjà un deuxième item, ça va être chaud. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Puis j'ai pas envie de. De sacrifier. Parce que. Enfin, un Kid Buu, ça me fait chier parce qu'il tape très très fort. Ça me fait chier de le virer. Ouais, je pense pas à Mugiwara. Hein. Je ne pense pas, non. Ouais, je sais pas. Ça me saoule de le virer en fait. Parce que Janemba, il tank pas vraiment en fait, hein, clairement. Bon, ouais, je dois remettre un item, de toute façon, sinon on est mort. Bon, on va focus. Du coup, je vais devoir claquer une spé sur Bou. La blague. Tant pis. Bon, partez pas en SP éventuellement, ce serait bien. T'as 22 000 quand même, avec l'item. Hein. Donc on a un buff de défense. Sauf que là, Bou va nous soigner et puis... ouais, je me doute, Bardak, je me doute. Je me doute que c'est Bouan Janemba avec la régène. Double SP ? Oh là là, ce Bou. Oh, il me régale, hein, ce bout. Moi, je kiffe. Hein. Ouais, ça va arriver à Aaron, je pense. Bah, si, va sur Dokkan Weekly dans la description. Il y a toutes les missions. Bon, t'as les sous, tu stun. Hein. Est-ce que je garde Metal Cool ou Thales? Non, mais non. Je garde Thales en fait. Ouais, c'est le Battle Road, ouais. Bon, t'as les sous, tu stun, hein, comme ça. Non, mais double C13, ouais, bah oui, ouais, t'as pas de stats, mais ça dure 3 heures, quoi. 3-4 heures. Ouais, j'ai la flemme, hein, j'attendrai Bojack, hein. Bon allez, tu le stun, Thales, tu le stun. Je sais pas s'il la stun, du coup, j'ai pas vu. Oh oui, mais oui, Thales. Alors du coup, je sais pas quoi faire en fait. Est-ce qu'on garde les deux golden dans la rotation? D'un côté, ils débuffent, donc si, c'est intéressant. Et du coup, alors là, par contre, pour partir en spé, bon courage. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, on va prier pour que Bouane le termine. Mon Thalès est SP1. Non, je peux pas monter sa SP. Ok, d'accord. Bon, bah, très bien. Bon, on a déjà claqué deux items. Project, il faut l'avoir car on s'appelle Fabrice qui a un doublon. Bah non, mais on a mis leader, ça fera l'affaire. Bah, je tente un petit Battle Road extrême intelligence avec Golden Freezer. Avec Golden Freezer en x2. Ouais, du coup. Alors, Thalès, si tu peux stun le Great Saiyaman, moi je prends, hein, clairement, je prends. Ok, ça marche, Guan. Ça m'arrangerait de ouf que tu le stun. J'ai pas déjà claqué un item. Hein. En fait, si Thalès stun, on peut entrevoir une suite. Si stun pas, ça risque d'être compromis. Sûrement. Et bah, il a stun. Mais décidément, Thalès, il est chaud. Hein. Il est très très chaud. Ah, évidemment, Videl, elle veut. Oh, l'esquive!
Ah, fais gaffe à la jauge d'Okan, j'avoue. D'ailleurs, j'ai parlé avec le dernier boss, faut qu'on regarde parce que. Faut qu'on regarde le. C'est qui le dernier boss parce que sinon. Oh non, t'es sérieux, oh là là. Pff. Même comme ça, j'arrive à avoir des problèmes de ki, mais non. Putain, t'es sérieux quoi. Horrible. Je crois que je vais mettre Pétale Cool là-devant. Hein. Enfin, je peux pas ne pas partir en spé parce que là, c'est horrible. Tant pis. Ah non, pas partir en spec Kid Buu, c'est horrible. Beaucoup SJ3, du coup il y a combien? Il y a 4,5 je crois. Ou 5. De rien, Kinizu. Ouais, j'avoue, c'est. Ouais, mais après, Janemba, c'est aussi pour les liens qu'il est intéressant. Mais j'avoue que limite, peut-être prendre C16. Hein. Salut O'Neill. Bah non, O'Neill, t'étais déjà là, O'Neill. Ah oui, ouais. Merci Loïc, c'est gentil. Ah, pas de critique. Alors, donc là, ce qui se passe, c'est que, du coup... On a un debuff. Certes. On a un debuff, mais... 230 000 PV, s'il part en spé, il nous les retire. Ouais, bah attends, mais. Ouais. Je vais pas me soigner maintenant. Là, si je commence à me soigner pour 40 000 PV, c'est mort quoi. Donc, voilà, on verra bien. On verra bien. Hein. Parce que là, 26 000 sur Golden alors qu'on débuff. Mais Janemba 1, j'ai des doublons. J'ai des doublons sur Janemba 1, c'est ça le problème. Je crois qu'on est mort. J'en ai 3. Donc. Ah, on la stun. Bah, Kinizu, ça dépend des cartes en fait. En général, le critique. Ouais, Yazrod, ouais. Des fois, c'est vrai que ça peut être limite. Bon, il est stun, mais pour autant. Mais pour autant. Tantalès, je l'ai mis en 3ème position. Donc, de toute façon. On va pas faire beaucoup de dégâts. Bon, Golden. Enfin, un petit Golden avec doublon, hein, parce que là, ouais, ça fait pas trop le café. Hein. Mmh. Super. Bah, je vais être obligé d'utiliser un item, mais Kid Buu est 100%, ouais. J'ai pas éclaqué un item, mais bon, j'ai pas trop le choix. Hein. Et oui, Kinizu, merci. Bon. On va voir comme ça, hein. Bon. Parce qu'en plus, le Dokkan mode arrive là, donc si on le tue pas vite, il va y avoir un petit problème. Hein. Mais je sais qu'il est plus stun. Bon, Kid Buu, double attaque, double critique. Voilà, comme ça, ça on est bien. Et en plus, et il m'écoute. Et en plus, il m'écoute. Hein. Mais oui.
Ah, ça fait plaisir. Ah bah voilà, Kid Buu, hein. Ah ouais, beaucoup SJ3 à la fin. Bon, Dokkan Mode, serait bien de l'utiliser avec, avec Kid Buu, mais bon. Je pense que ça va être mort, parce que bon, ça dépend des qui. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est mort, mais... Est-ce que des Linky... Est-ce qu'on prend que le Dokkan Mode, là? Je suis pas sûr, je pense qu'on le proc pas si je prends pas des kills de la couleur. Je pense pas. Maintenant la question c'est est-ce que je le fais avec Kid Buu avec... Mais non mais Kid Buu fera plus de dégâts c'est sûr. Vaut mieux le faire avec Kid Buu qu'avec... Enfin la question c'est est-ce que je vais pouvoir, c'est plutôt ça en fait. On va focus qui là. Bon, je vais devoir Ghost par contre je pense parce que là. Ouais on va Ghost. Il y aura qu'une attaque au début. Ah non il y aura même pas d'attaque au début. On va focus qui. Je crois que c'est Vegeta qui a plus de PV il me semble. Ah j'ai un doute quand même les gars. Hein. Prochain portail c'est Bardock SJ3. On va pas prendre le Dokkan Mode hein. De toute façon même si c'est le cas, tu veux que je fasse de plus. Non c'est bon. J'avoue j'ai un léger doute. Du coup après faut que je mette Kid Buu devant. Et puis bah Dokkan Mode. Hein. Salut Kinizu. Et puis voilà. Et puis on verra bien, on verra ce que ça donne. Hein. Je ne vais pas m'avancer. Le Vegeta n'est pas stun. Donc va falloir s'en occuper rapidement. Bon, je vais pas claquer d'item, hein. Soit Janemba fait le café, soit il le fait pas, et puis c'est tout. Hein. Allez, c'est parti. Allez, hop, bon. Kid Buu, tu peux faire un critique. C'est bien, parce que si tu crites pas, je pense que ça suffira pas. Hein. D'ailleurs, même avec un crit, je sais pas si on les tue. Hein. Honnêtement, les gars... Je ne sais pas. Par contre, si tu fais une double SP, ça peut être appréciable, hein, clairement. Pas de critique. Ah non, ils sont pas du tout morts. Enfin, ils sont pas du tout morts, ça va, mais bon. Je sais même pas si Golden Ange va finir Vegeta, quoi. Ah, s'il l'a terminé. Bon, Janemba, esquive. Esquive. Oui, une. Allez, allez, esquive. Mais non. Bon, ça va, ça va. Est-ce qu'on garderait pas Thalès? Salut Mad. Le problème, c'est que là, si je prends les qui à gauche. Je pense que les qui vont pas descendre correctement. À mon avis. Et du coup. J'ai pas de compte à faire gagner, non. Et du coup, Golden partira pas en SP. Là, les violets ils descendent. Je crois que ça descend. Ça va mal descendre. Et du coup, je vais pas pouvoir partir en SP. Avec Golden. Parce que le bleu il va aller tout à gauche. Ça reste, je crois que ça va être pourri. Hein. Enfin, en tous les cas, il va y avoir un problème. Hein. Dans tous les cas, il y a un souci parce que bon, même si je fais partir Golden en premier. Le
pour le Kyrie Thales. Mais du coup, on stun pas. Bon, bah, pas de stun. Hein. Bon, allez, go. Ah, j'ai hâte, oui, l'épisode, j'ai hâte. Thales va se faire ouvrir en deux. Je pense pas qu'on le tue à ce tour-ci. Hein. Ah merde, O'Neill, putain, abusé quoi. Non, on va pas le tuer. On va pas le tuer, à moins qu'on double SP, mais. Mais j'allais dire et critique, parce que ça suffira pas. Oui, garde TDS, Mathieu, pour l'instant. Ah, par contre, ça c'est pas mal, il attaque à la fin. Du coup, on va se soigner avec Kid Buu, évidemment. C'est le dernier épisode, ouais. Ouais. Alors, peut-être que ça recommencera d'ici un an, mais c'est pour l'instant le dernier épisode de DBS, ouais. Petit critique. Ah, la notif qui ne s'envoie pas en Xerias, ça. Ça, c'est pas cool. Bon, le Dokkan Mode est à perpète, hein, donc faut pas espérer le proc une deuxième fois. Ah oui, 5 ennemis. Ah. D'accord. J'ai plus de ghost, hein, je précise. Oui. Alors, est-ce qu'on focus d'abord les autres pour limiter le nombre d'attaques. Ou est-ce qu'on focus Goku? Mais Goku, c'est un sac à PV. Hein. Bah oui, évidemment, je vais mettre un oui, ça c'est sûr. Mais je sais pas si garde Thales dans la rotation. Janemba se débrouille pas trop mal hein, quand même hein, en soi. Enfin, quand il y a un oui, il se débrouille pas trop mal. Bon allez go, on verra bien de toute façon les gars, on va pas... Ah j'ai pas envie de prendre... Non, de toute façon Janemba fait pas de dégâts, j'ai pas envie de prendre des kills. J'ai pas de ghost les gars, j'ai plus. Bon alors si tu peux stun Goku, t'as les sous, on sera très content. Hein. Salut Vulcanien, merci de passer. T'as même avec Whis 7000. Ouais. Oh ça commence les spé là. Quoi avec Whis 60... Bah putain on est mort en fait là. En fait on est déjà mort je crois parce que là 66000 avec Whis sur une spé, bon. Waouh, t'en fais pas de dégâts. Hein. Ouais, d'accord. Bon bah je crois que on est déjà mort. Hein. Ah ouais non bon bah presque, on est presque mort. oui. Et on l'a pas stun, donc je pense que c'est ce qui va signer la fin de la game. Hein. Et en plus on a 0 key, donc bon ok. Bon bah c'est bien. Qu'est-ce qu'on fait? Enfin, de toute façon, là. Comment te dire? Je pense que je sais pas quoi faire parce que, de toute façon, bon, évidemment, on va se soigner, mais. On a encore Louis d'actif, certes, mais là. Je sais pas si les keys vont bien descendre là. Je peux être gâché une spé de Kid Buu sur Trunks, hein. Clairement. Ce serait vraiment du gâchis limite quoi, franchement. Parce que Trunks il sera. Enfin, il est quasiment mort quoi. Enfin, je vais attaquer avec Buu dessus.
Bon, on verra, hein. De toute façon, les gars, on aura fait ce qu'on pouvait, hein. De toute façon, je pensais pas y arriver, honnêtement. Hein. Bon, si on a juste fait un essai comme ça, avec Bojack, oui. Avec Bojack, oui, parce qu'on aura plus de temps qu'Inès, etc. Mais là... À moins que Kid Buu parte deux fois en spé, critique, etc., etc. Mais non. Bon, Boine, tu finis Trunks quand même. Je sais même pas s'ils veulent finir. Si. Bon, là, ça tank bien, mais... Ah, le Kid Buu, il est peut-être plus passif, ouais. Bon, on va remettre un Whis, hein, les gars, évidemment, hein, parce que... alors, qui on va focus? Bon, on va tout mettre sur Vegeta, hein, pour essayer de sortir. Hein. Je pense pas que ça va suffire, hein, les amis, mais bon. Parce que le problème, c'est que... Il y a encore moitié de ses PV, Janemba, il fait pas beaucoup de dégâts. Donc, ouais, ça commence à partir en spé encore. 54 000. Donc, il boit à 100%. Mais les gars, il me reste deux items. Pff, voilà, ça fait pas assez de dégâts. Hein. Il faudrait que Thalès se stun absolument le tour d'après, déjà. Mais bon. On va pas le finir. Bon, Janemba esquive un petit peu, non? Merci. Merci beaucoup, Mike David. Merci beaucoup. C'est gentil. Alors là, par contre, on finit Vegeta avec cette attaque. Attends. Bon, on finit Vegeta avec cette attaque. Du coup, il y a Gohan et Goten qui attaquent avant, quand même. Bon, on a Whis. Ensuite, on va focus le suivant. Hein. Merci Vema pour l'abonnement. Et puis on va essayer de stun Goku encore une fois. Par contre, s'ils partent en spé à la fin sur Thalès, même avec un Whis, c'est la fin. D'ailleurs, c'est le dernier tour de Whis. Hein, donc bon, après, c'est fini. Hein. Bon, de toute façon, on est peut-être mort à ce tour-ci, mais bon, de toute façon, quoi qu'il en soit. On aura fait ce qu'on pouvait, hein, les gars. On aura fait ce qu'on pouvait, mais bon. Voilà, hein. Il faut Bojack, voilà, ça manque encore un peu de tankiness, hein, et de dégâts aussi. Avec Bojack, en partant double golden, ça fera le café. Ah oui, d'accord, je savais pas que Goten avait si peu de PV. Ah, les compétences que j'ai mis, excuse-moi. Oh, on a stun Goku. Oh les gars, on a stun Goku, ça, c'était pas trop prévisible, quand même. Par contre, on est en PLS de ki. Alors attends, on a stun Goku, donc là faut tout mettre sur Gohan. Attendez. Si je prends les ki violets, est-ce qu'il y aura 4 ki? Je pense pas. En même temps, Golden fait plus de dégâts que Buan. Hein. Gohan attaque une fois à la fin. Ouais. Du gardien Janemba. Ouais. Ouais, ils ont rien en plus en commun. Bon, on balance sur Gohan de toute façon, ça c'est sûr. On va virer les ki qui sont là. Non, ça devrait être bon, je crois. Attends, où ceux-là? Attends, si je fais descendre Léon, non, les bleus vont descendre. Ah, je suis pas sûr qu'ils descendent correctement. Je suis pas sûr. Hein. Si je fais descendre ceux-là. Est-ce que les jaunes. Enfin, les oranges, ils vont descendre, je crois. Oh, je sais plus comment ils descendent. Et qui, des fois, c'est un bordel. Ah oui, le bleu. Ah, le bleu. Et ouais, des fois, on oublie les fondamentaux. Bon, par contre, je sais pas si j'ai un support après, mais j'espère, parce que là, il va y avoir un petit souci. Hein. Parce que là, on a des ki pourris. On a des ki tout pourris, là.
Buan double SP, je sais pas. Ah, super. Évidemment, hein. Seule attaque qu'il fait, c'est une SP quoi. Évidemment, on a des problèmes de ki. Évidemment. Évidemment. L'Uzirix, voilà. Là, c'est la PLS. Hein. Si je veux être sûr de finir de Gwan, je l'attaque avec Kid Buu. Parce que Golden, là, l'attaque de Golden suffira pas à tuer Gohan. Ça, c'est sûr. Bien sûr, oui, je vais mettre le dernier item, ça, c'est sûr. L'attaque de Golden suffira pas à tuer Gohan. Par contre, celle de Kid Buu, oui, normalement. Je fais ça, Metal Cooler va se faire défoncer. En fait là, non mais en fait je suis en train de réfléchir à un truc, c'est est-ce que Kid Buu va tuer Gohan? Parce que comme il a pas combat acharné, est-ce qu'il va tuer Gohan? Je pense pas. Hein. Je pense pas. C'est ça le problème. Du coup, soit je gâche une attaque de Golden. Sinon j'attaque Goku directement avec Golden et je fais qu'une spec Kid Buu, mais ouais, mais si je le finis pas après c'est mort quoi. Bon allez, tant pis. Hein. Bon allez, advienne que pourra parce que là. Parce que voilà, allez c'est parti, let's go. Même avec la réduction de dégâts, t'en prends cher. Hein. Ah ouais, il était pas loin. Oh, la petite esquive de Golden, tombée de nulle part. L'aspect sur le support, évidemment. Hein, bah oui, hein, tant qu'à faire, l'aspect sur le support. Ah là 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 là. Ouais, je compte Goku tout seul, mais bon. Ah, s'il avait fait une double spé, ça aurait été bien. Oh là là, punaise, il attaque en premier. Bah de toute façon là, si Thalès se stun pas, je sais pas qui tank le mieux en fait. Hein. Entre Janemba et Golden, franchement je suis pas sûr de savoir. Hein. Je me demande si c'est pas Janemba, parce que Janemba met quand même la flèche vers le bas. Quand il tape les autres, c'est la flèche elle est oblique, il tape sur le bon sous-type. Donc je sais pas ce qui est mieux. Bon de toute façon, je pense qu'il faut garder Thalès, enfin si je veux avoir une chance, faut le garder. Parce que si on arrive à stun en continu, ça va, mais si on stun pas en continu, c'est mort, quoi. Enfin, de toute façon, en fait, je dis ça, mais si je prends une SP, je suis mort, parce que ça dure qu'un tour, je crois. Oui, bon, bah, écoutez... Je pense qu'il faut que je garde Thalès, hein, parce que sinon... Non, il n'y a pas le lien boss, non. Non. Ah si, enfin oui, avec Thalès, mais oui. Avec Thalès, oui, mais pas avec Golden, il a pas boss. Hein. Je sais pas si je mets, si je laisse Janemba ou Thalès en fait. Je sais pas qui je fais tanker en fait. Enfin, est-ce que je fais Golden tanker Golden ou est-ce que je fais tanker Janemba? Ce Janemba, s'il esquive, je lui ai tout mis en esquive. Donc je sais pas quoi faire. Ouais, toujours sur la glou. Je sais pas quoi faire. Parce que Janemba a beaucoup d'esquive. Regarde leur défense, mais il n'y a pas que ça, mec. Je viens de l'expliquer, il n'y a pas que ça.
Il y a aussi le fait que Janemba, la garde activée, ça sert un petit peu quand même. Flèche vers le bas. En fait, le problème, c'est est-ce que je garde Thalès? Est-ce que je garde Thalès dans la rotation ou pas? Parce que de toute façon, si stun là, il faudrait que je le tue en... Enfin... Vraiment vite, quoi. Bon, bref, allez, go. De toute façon, on va perdre tellement de vie que Thalès, après, son passif va même plus être actif. Tu vas prendre ça, c'est bien. Mais non, Golden, il a pas la garde activée, non. Pff, 28 000. On s'en fout de Thalès. On voit les mecs qui connaissent pas grand-chose. Hein. On s'en fout de Thalès. Ok. On s'en fout de Thalès. Bon, Thalès, si tu stun, on peut peut-être espérer faire quelque chose. Donc, Oh le stun. Oh le stun. Donc on peut essayer de continuer à surfer. On va prendre tout ça avec Buane. Ensuite, on prend ça, je pense, ou ça, ça. Et puis, je pense que je vais virer le rouge. Mais je crois qu'on n'a pas de support après. Hein. Ça va être une rotation de merde après. Hein. On aura Kidbu, Janemba, je crois, et Golden. Donc on aura une rotation de merde. Ouais. Ah ouais, pas mal, Majin, ouais. Ouais, je crois que je vais virer les vertes. Enfin, après, ils vont pas descendre correctement en fait. Hein. Ouais, il y en a que deux. Hein. Non, c'est 1%, Martin. Putain, pas de double debuff. C'est 1%. Oh, ça va être une rotation de merde après, les gars. Je vous le dis direct, ça va être de la merde. Et ça va nous coûter. Ça peut nous coûter la game. Hein. Et voilà. La rotation de merde. Alors, ce qui va se passer, ça va être très simple. Hein. On va faire ça. Alors, attendez, qu'on fasse pas de conneries. Kidbu peut encaisser une attaque. Kidbu peut encaisser une attaque. Il faut que Golden et Kidbu partent en spé. Si je fais descendre la bleue, après, c'est bon. Sauf qu'après, comment ça va descendre? Ça va pas le faire. Est-ce que je devrais pas virer la jaune plutôt? Bon, au pire, je peux reset. Hein. Si je me trompe, on peut reset. Je peux reset si je me trompe dans les kills. Donc ça, c'est pas un problème. Il faut que Golden et Kidbu partent en spé. Donc, pour moi, ce serait bien de faire ça. Ensuite ça, et après on aura les violettes. Voilà. 349 000 en valeur d'attaque. Kidbu, normalement, il se le finit. Bon allez, de toute façon, c'est parti les gars. Go! C'est parti. Allez, c'est parti. Oh là, 2 millions en valeur d'attaque, les gars. Je pense que Goku, il va dégager. Hein. Et voilà. Et les gars, première tentative avec Golden, évidemment. Pas en leader, mais dans la team plus en ami leader. Et on GG l'extrême intelligence sans Bojack. Ça fait plaisir, franchement c'est cool. Hein. J'avoue que. Ah, bah en fait, les gars qui disent ouais, Thalès, mais Thalès c'est l'homme du match. Thalès c'est l'homme du match. Pour moi, il y a deux hommes du match, c'est Thalès et Kidbu. Hein, parce que Kidbu, il a mis des tartes, les gars. Violente. Non, j'ai pas enregistré, mais je peux récupérer en retéléchargeant le fichier, c'est pas un problème. Donc, je ferai du montage. Là, l'homme du match, je vous le dis direct, c'est Thalès. Ah là, bah voilà. S'il avait pas stun tant de fois pendant la game, on n'aurait pas réussi. Hein. Clairement, on n'aurait pas réussi. Donc, franchement, Thalès, beau gosse. Et puis, Kidbu, pareil, hein, les dégâts. Voilà. Golden, pas de doublon. Golden, bah, si, quand même, eu son utilité, il a quand même fait des dégâts.
tankait pas trop mal, même si, bon, après il a zéro doublon, attention, c'est aussi ça le délire, hein. Gul'den à 100% en ami leader, je vous assure que il aurait fait le café. Hein. Après, Janemba, il a quand même beaucoup esquivé. Hein. Janemba a beaucoup esquivé, Buan, il a des buffs de temps en temps, on a régène aussi avec les ki, donc... En fait, dans cette team, tout le monde a eu sa petite utilité, mais t'as le coup là, bah, grâce à lui, on partait en spé assez facilement, tout le monde avait son rôle. Voilà.